Salut à tous les mecs, j'espère que vous allez bien, c'est Léo. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu au titre les amis, aujourd'hui on va chercher un nouveau bolide. Mais je me permets de vous prendre à la caméra pendant deux petites minutes pour vous expliquer quelque chose de tout nouveau sur la chaîne et que vous allez kiffer parce que ça fait longtemps que vous le demandez. Les amis, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez enfin que j'ai enfin mon code promo chez 50 Factory. Et bah sachez les amis qu'il est toujours actif et que vous pouvez en profiter dès à présent et pour une durée indéterminée. Mais maintenant, il y a aussi le lien 50 Factory, voilà. Les amis, je vous mets le lien en description si vous souhaitez soutenir la chaîne et obtenir plus de réductions sur vos commandes. Bah passez par le lien et mettez le code promo et dans ces cas-là, il y aura plus de promotions que le code basique. Et moi, ça me permet de soutenir la chaîne car j'ai une rétribution sur le lien par lequel vous passez. C'est français ça ou pas? Et vous allez voir les amis que pour financer tous les petits bolides que j'achète pour la chaîne YouTube, eh ben il faut quand même en vendre des pièces sur 50 Factory. Bref les amis, juste pour vous dire que c'est la rentrée et on arrive avec de toutes nouvelles vidéos. Je dis on parce que cette année on va pas être tout seul sur la chaîne. Et les amis, tenez-vous bien, abonnez-vous, cliquez sur le bouton rouge, mettez des pouces bleus, ça fait longtemps là, vous endormissez un petit peu. Mais si vous voulez voir des grosses préparations, des grosses vidéos on va dire sur la chaîne, sur plein de thèmes différents mais toujours autour de moto. Et maintenant vous allez voir la vidéo auto, j'ai envie de vous dire, bah, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et juste pour vous dire que la série sur le permis gros cube arrive très bientôt. Les amis, j'en profite aussi pour vous dire qu'il y a enfin le concours avec Roof qui est disponible sur mon Instagram. Regardez les amis, pour participer la publication est juste là. Voilà, il y a tout ce qu'il faut pour participer. Voilà, pour gagner le petit Roof, mon Instagram Léo-du-bas-BGL, on est bientôt 30 000. Du coup n'hésitez pas à me rejoindre, ça ferait super plaisir. Et toujours aussi n'hésitez pas à bénéficier des moins 15% chez Maxess. Je sais que maintenant c'est la braderie, c'est la rentrée, faut vous équiper, gants, casque, tout ce que vous voulez chez Maxess, il y a moins 15% et franchement c'est une belle occasion. Surtout les amis, je vous attends en commentaire pour que vous me donniez des idées de vidéos, des projets que vous souhaitez voir sur la chaîne. Mais ça arrive très bientôt et vous inquiétez pas, il y a aussi des vidéos en 50 qui sont en stock, des présentations. Je peux vous dire, on n'a pas chômé pendant l'été, il y a quelques vidéos qui vont bientôt arriver. Et je ne sais pas si vous savez, mais durant l'été, j'ai ramené deux pocket bikes sur la chaîne. Et est-ce que vous êtes prêts? On va bientôt faire la prépa. Je vous en dis pas plus, il y aura une réplica YZ et une réplica CRF sur des mini-motos boostées avec des moteurs. Vous allez voir, ça peut être cool. Sur ce, je vous en dis pas plus, je vous laisse avec la vidéo. Voilà les amis, on part chez le vendeur acheter la chose due, la sainte chose. Et ensuite, on revient à la maison, on débrief. Et dans une des prochaines vidéos, on vous fait le test. Si vous êtes chaud, à 2500 pouces bleus, je mets l'objectif pas très haut, je vous sors directement le test d'une grosse sortie, vous allez voir. Juste un petit indice, tout a cassé à la fin. Bonjour à tous les amis, aujourd'hui dans 90 minutes enquête, on se retrouve avec le magnifique sac footlocker, les clés, on est parti chercher un nouveau bolide, il y a beaucoup de vent, c'est parti, bonne vidéo. D'après mes calculs scientifiques, le classe G, les sangles du classe G. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, et ça résonne, toute nouvelle vidéo dans le classe G. Dans le classe G. En 6x6, le plateau à l'arrière les amis. Nouveau bolide. Chasse. Je vous lis que l'adresse. Attendez. Hop. Bah non, en fait il y a mon adresse à moi du coup les amis. On se retrouve directement pour la suite de la vidéo. Les rétros du classe G, c'est parti. Allez, ciao. Ciao. La manœuvre de. Les amis, regardez le gamos, il est là-bas au bout. Non, je vous le montre pas, je vous le cache. On reste encore dans le classe G pour l'instant, on est bientôt. Au revoir petit. Comment on l'appelle? Ah ouais, t'as. Faut qu'on lui trouve un nom. Hein. Oh là là, le bolide est devant les amis. Qu'est-ce que t'en penses? Oh, le poignet rouille. Il est gros booster, il est gros booster, il est gros booster, booster. T'inquiète, ouais, je vous prends sur le téléphone. Bonsoir. 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 Ça c'est les clignotants. Un H2, un gros, c'est pour ma part. Là-bas, là. Ouais. Et en fait, il a mis des colliers pour tenir les cylindres de carbone. T'es bête, tu peux pas arriver comme ça. Ah. Bon c'est bon les amis, on a échangé un Kangoo contre un... Oh, ça fait. En pétard. Nouvel achat, attention on s'en va avec, on rentre avec. Et c'est où le compteur, c'est ça hein? Ça c'est le compteur ça ouais, mais... Et là tous ces fils là c'est pas grave.
ces fils-là, bon, faut les accrocher quelque part. Ouais. Je sais pas où, mais faut les accrocher. Et quand t'accélères, ça accélère. On va le tuner, on va lui mettre un moteur, des freins Brembo. J'ai dit à mon père, je veux mettre une mini Nox. On va le mettre à full tune. Oh, ça va être à mourir de rire. Oh, on va bien rigoler, je crois. Bon, c'est bon. Vraiment, vraiment. Wow, un mètre de 206. Si je veux aller au boulot avec ça lundi, ça va. Marche arrière. Putain, ça chauffe, hein. Il va aller plus loin, quoi. Il y a pas de clé. Ah, ah ok. Ah, on dirait un bouton. Ouais. Ça fonctionne. Les phares ils fonctionnent ou pas? Normalement. Normalement. Oh, ouais. On va regarder si tu veux. Les clignotants, ouais, je sais que ça marche. On voit qu'il y a un fil qui est débranché là. C'est quoi ça? Ça, ça n'était pas débranché tout à l'heure. Oui, si, ça, ça c'est les pièces. Mais ça, je crois que ça va être une option. Ça sert à rien. Ça, moi, quand je l'ai vu, c'était déjà comme ça. Par contre, les deux fils là, ça me parle pas de les avoir mis. Ah, donc ils étaient branchés avant. Ah ouais, ça fonctionne. Ouais, là ils sont en terre, ouais. Au moment du règlement, donc c'est le moment qu'on aime pas, mais il faut sortir les grosses quichetas. Ok, lui il rigole même pas, gros, il sort les billets verts, gros, les billets de la banque. Et hop, la petite quicheta. Donc là, voilà, grosse quicheta pour gros buggy. Bon les amis, la Lambo est chargée et on se retrouve bientôt pour le test. Hein. Franchement pas mal, bon achat. Et préparez-vous parce que là il va y avoir du tuning. Un pneu en plus, on peut se permettre de crever, c'est nickel. La prochaine fois c'est le bateau là les amis, vous inquiétez pas. Les amis, dépannage express, on s'arrête, tout est cassé. Je suis en train de la baisser. Elle monte ou elle s'abaisse? Non, elle s'abaisse. Faut la tourner comme un malade. On tourne, on tourne, on tourne. Là, je peux pas aller plus à fond là. Dépannage de l'express. Elle est drôle celle-là. Au bord de la départementale, c'est peut-être pas le meilleur jeu. À fond, hein, j'ai fait. Hein. Bah, t'attendras le bus. À fond. Hein. Vas-y, fais une insertion. Fais une insertion. Oh, le plan avec le coucher de soleil. T'as vu la vue que t'as là avec. C'est un temps. Mais le. Il a oublié ses clés. Genre le mec, le vendeur, il a oublié ses clés sur le plateau, dites-vous. Genre ça fait vraiment l'histoire de la boiserie qui oublie une clé Facom. Et là, ça a tenu sur toute la route, les clés ont tenu sur le plateau. Alors qu'on a pris des routes où le plateau... Il dansait. Putain, mais la chance de... Vas-y, arrête-toi ici. À ne pas reproduire à la maison, cascade d'aventure. Oh le bâtard, oh le bâtard. C'est bon les amis, Neyamb. Nickel, bienvenue dans mon nouveau buggy. Je vous en fais la présentation. Ouais, pas mal. Pas mal mon chef. On a les clés, on va démarrer. Là, il y a moyen, on croise les flics, je suis mort. Les flics là, je suis mort, je dois sauter. À tout moment, je le démarre. D, R. À tout moment, je le démarre. Vous pensez que je peux le démarrer sur un plateau? Il y a des risques, non. Un petit peu de secousse, je vous présente notre nouveau gamos. Roberto, enchanté, il y a peut-être un petit peu de vent. Donc voilà, c'est Roberto le buggy. Petite présentation détaillée plus tard. Là, on prend les gros deux dames. Bon, les amis, comme vous l'avez vu, on est allé chercher le nouveau bolide. Donc là, c'est voiture de rallye, c'est compète. Compète, gros compète. Du coup, voilà, avertissement, si vous voulez nous dire cheveux interdits et cheveux détachés. Bon, heureusement que je suis un garçon, moi j'ai pas ce problème. Et voilà, on se retrouve bientôt pour la vidéo de test, les amis. Et les amis, c'est enfin la fin de cette vidéo. Bah non, pas enfin, parce qu'en vrai, elle était cool, non? Qu'est-ce que vous en pensez du nouveau bolide? J'attends votre avis en commentaire. Et sachez que on a déjà tourné la vidéo présentation, la vidéo test. Et c'était vraiment quelque chose d'assez sympathique. Je suis pressé de vous montrer ça. 2500 pouces bleus, je vous sors la vidéo. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée, très bon après-midi, très bonne journée, tout ce que vous voulez, de bon et de meilleur. C'était Léo, ciao. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, les mecs.
I'm just fucking lit, man. I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man. Bottle of this shit. I'm about to write a hit.